Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre mix border ensoleillé, notre bordure variée au soleil. Alors voilà, c'est presque la fin de cette mix border pour cette année. Après ça, on va laisser les plantes s'installer, les observer, et puis l'année prochaine, on reviendra dessus en ayant observé comment elles ont vécu les unes à côté des autres, le volume qu'elles auront pris, et puis on déplacera s'il faut déplacer. Pour aujourd'hui, nous allons travailler entre la Gora, le Formium, le dauphin et tout cet espace qui est ici, qui est assez large, assez grand. Et en fait, il y a trois thèmes que nous allons évoquer. Et pour cela, je vous explique tout, pourquoi on a choisi certaines plantes et à quel endroit on va les mettre. Donc nous avons déjà dans ce massif que nous allons installer ici, des plantes avec un caractère dominant. Alors nous avons ce Formium avec les feuilles allongées que l'on répète avec le comys que l'on voit juste derrière moi et les agapanthes qui sont cachées juste entre la Gora et le Cosmos, mais qui vont prendre leur forme dès que les fleurs vont arriver avec ces jolies fleurs bleues. Autre plante dominante, bah donc cette Gora dont on vient de parler, avec cette forme boule répétée avec le Cosmos juste derrière, à nouveau une forme boule. Autre plante dominante, bah juste derrière moi, le dauphin en forme, donc cette taupière en forme de dauphin et sautant au-dessus de l'écume représenté par cet abélia confetti, avec ce feuillage qui est tricolore, un peu de rose, un peu de blanc et un peu de pas panaché, hein, de vert, marge blanche et rosée. Donc vraiment une super plante là qui représente l'écume pour nous, dans notre thème. Et puis la dernière plante, celle qui est juste ici, absolument majestueuse, qui représente l'Afrique du Sud. C'est le symbole de l'Afrique du Sud, cette magnifique fleur là, en étoile énorme, les protéas. Voilà, donc on a ces thèmes, donc le protéa est amené à devenir un bel arbuste également en rondeur. Et donc nous avons cet espace qu'il faut garnir. Alors premier choix, ça va être de jouer avec les feuilles, cette forme allongée que l'on retrouve dans le Formium, dans le comys et dans les agapanthes qui sont derrière le Gora. Donc première qualité, les feuilles, donc je vais le mettre un petit peu en avant pour ne pas être trop collé des deux plantes qui ont déjà le même thème, et puis d'amener un peu de feuillage au-dessus de la pelouse. Donc on a choisi les mérocales et on a choisi la variété Summer Wine. L'idée étant d'avoir cette couleur plutôt même orienté vers le rouge, qui va nous rappeler le Gora, les feuilles bien sûr de Formium et le comys. Donc on reste dans le même thème de couleur, on va rester dans une certaine harmonie, on va en mettre d'autres, mais au moins on aura cette couleur assez foncée qui est déjà présente dans le massif. Là, j'écarte le paillage, qui aurait besoin d'être complété, j'équilibre entre les deux alstromères. Voilà, un trou de deux fois la taille de la motte. Je sens que le pot est bien rempli. Voilà, parfait. On va frotter un petit peu. Un petit peu de terreau dans le fond. On écarte un petit peu les radicelles. Voilà, pour que la plante aille chercher non plus dans une forme ronde telle qu'elle est en train de se le dessiner dans le pot, mais commencer à aller chercher de manière latérale dans le sol. Voilà, je vais l'orienter déjà. Voilà, comme ça qu'il y ait une feuille qui parte vers la pelouse. Première plante, les mérocales, jouer avec le thème des feuilles et le thème de la couleur de la fleur. Allez, maintenant deuxième thème. Voilà, dans cet angle que nous avons entre l'agora, le comys, l'abélia, le protéa, les mérocales et bien entendu l'astromère que nous avons planté il y a 15 jours, nous allons mettre une plante qui va faire un petit coussin en fait, qui va monter sur 30-40 cm et qui va avoir surtout des fleurs assez remarquables qui sont en épi, de longues fleurs en épi. Et donc l'intérêt, il est que voilà, l'agora ici va prendre toute la lumière, elle va être absolument majestueuse sur une bonne partie de l'été. Quand on vient de la terrasse, bah, on ne voit qu'elle, et puis on enchaîne vers le reste du massif. Et quand on revient, bah, là c'est là qu'on va découvrir cette Véronique, donc Véronica spicata rosea, donc petit coussin, et surtout des grappes de fleurs roses qui viennent au-dessus, et qui vont du coup donner l'impression de découvrir autre chose en rentrant vers la maison. Donc voilà, petit coussin
et une fleur érigée en épi. C'est parti. Et Véronica vont maintenant s'installer et occuper tout leur espace. Allez, troisième groupe de plantes dans notre composition. Alors, ça va être une plante qui va essayer d'amener un feuillage différent du phormium, bien entendu, des astromères que nous avons là, et en même temps, une fleur également différente. Et ça, ça va être intéressant, c'est que l'on va chercher à mettre toujours, un peu le même esprit que les Véroniques que nous venons de mettre, une plante qui va faire une touffe, et au-dessus de la touffe va venir ce groupe de fleurs, donc les Incarvillea delavayi. Vraiment une très très belle plante avec un rose assez fort, assez soutenu. Donc voilà, l'Incarvillea. Vraiment une plante pas assez utilisée dans les jardins et qui est de toute beauté. Donc là, on l'installe pour qu'elle vienne garnir le bas du phormium ici et faire une transition avec l'alstromère qui va bien sûr se développer. Et elles vont monter un petit peu plus haut, même bien plus haut, puisqu'elles vont monter facilement à cette hauteur-là. Donc créer ce massif ici. Je décale un petit peu pour laisser un peu de place à l'alstromère qui est là. Voilà, ça va être sympa ça. Un peu de terreau, voilà. Toujours faire attention de ne pas enfoncer le collet. Elle va être un petit peu serrée celle-ci sous le phormium, mais c'est pas grave. On coupera les feuilles du phormium pour la laisser s'installer. Et puis si jamais ça gêne, on la déplacera dans un autre endroit. Voilà, j'espère vous avoir transmis cette passion qui est de créer des associations entre les plantes, de jouer avec ces formes de feuilles, ces formes de plantes. Certaines vont être coussins, certaines vont être érigées. Et bien entendu, le contraste des couleurs dominantes. C'est là qu'est toute la passion. Et surtout, de créer cette harmonie qui fait qu'on va avoir qu'une envie, c'est de continuer à marcher pour découvrir chacune des plantes disposées dans ce massif. Alors voilà. Le massif, allez, on a encore une plante à rajouter, ça sera la semaine prochaine. Mais ça y est, le massif, il est plus ou moins installé. Maintenant, on va l'observer tout cet été, cet automne également, bien entendu l'hiver. Et puis, printemps prochain, ça va être d'autres plantes, d'autres dimensions de plantes. Ça sera juste magnifique. Voilà, donc on se projette et c'est là qu'est tout le plaisir du jardinier. Je vous retrouve demain pour la terrasse. Jardinez bien.